Yo les amis! Aujourd'hui, on se retrouve à Sigiriya, une ancienne capitale royale du Sri Lanka. Il faut savoir que la ville est réputée pour deux raisons, le Lion's Rock, mais également pour sa forte concentration en éléphants sauvages. Et quand on voit ces panneaux disséminés un peu partout sur la route, il n'y a aucun doute à avoir quant à leur présence massive. Mon but aujourd'hui est d'aller à la rencontre de ces éléphants sauvages et de réussir à capturer quelques images. Alors oui, vous allez me dire qu'il suffit juste d'aller dans un parc national pour les observer. Mais pour être honnête, j'adore ce sentiment de pouvoir être le seul à chercher des animaux en plein milieu de la nature. J'aimerais alors vous donner quelques informations sur les éléphants qu'il me semble plutôt cool à connaître. Déjà, il faut savoir que l'éléphant d'Asie est plus petit que son cousin d'Afrique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'éléphant d'Afrique a besoin de parcourir beaucoup plus de kilomètres avant de trouver de l'eau. La présence de grands fauves en tant que prédateurs tels que le lion serait également un facteur clé. Leurs oreilles sont également plus grandes car les fortes chaleurs d'Afrique entraîneraient un besoin de thermorégulation un peu plus important. Il y aurait environ 40 000 individus sur le continent asiatique, dont 20 000 rien qu'en Inde. Chaque année, de nombreux humains seraient tués au Sri Lanka dans des conflits avec ces pachydermes. Nous verrons les raisons un peu plus tard dans la vidéo. J'espère donc que vous êtes prêts, c'est parti! Pour aller à la rencontre des éléphants d'Asie, il me fallait avant tout un véhicule. J'ai donc loué un scooter auprès de mon hôtel et je suis parti faire le plein. You can say hi for French people if you want. Hi guys! Oh, thanks. Lui, c'est Stephen, le gérant d'un petit shop juste à côté de mon hôtel. C'est tout simplement ma plus belle rencontre du Sri Lanka. Avec lui, on a discuté de spiritualité, de religion, de culture sri lankaise. Il m'a donné des conseils pour aller observer les éléphants. Il m'a également fait découvrir des spécialités locales comme le Kola Kendal ou encore le Polos. C'est en partie grâce à lui que cette vidéo peut exister, alors merci à toi. Je vous mets son contact et son lien dans la description. Avec les conseils des Sri Lankais, j'ai donc pu tracer un itinéraire pour la recherche de ces éléphants sauvages. Je tournerai donc en boucle entre les villes de Inamalua, de Abarana et de Sigiriya. Bon bah du coup on vient tout juste d'aller chercher de l'essence et là on va partir tout simplement à la recherche des éléphants sauvages. Regardez-moi cette dinguerie et ce panneau. En fait, ils disent qu'il faut conduire lentement parce que tu peux voir des buffles, des jaguars, je crois, des éléphants et des alligators. Bon, bah, je crois que j'ai bien choisi mon coin, moi. Et en fait, ça m'étonnerait pas d'en trouver dans le coin, tout simplement, parce qu'en fait, il y a pas mal de petites barrières électriques comme ça. Et je pense que ça doit être pour les animaux sauvages, bah, comme les éléphants, justement, pour pas que ça ravage les cultures et les maisons. Et pour être franc, je pense qu'il y aura un peu plus de contenu comme ça sur la chaîne, tout simplement, parce que déjà, l'observation, j'adore ça. Et là, le fait de pouvoir être tout seul au milieu de la nature, en train d'essayer de chercher des animaux, il n'y a pas meilleure impression. Dans 2 ou 3 semaines, je posterai une vidéo sur la forêt de Sinaraja qui est déjà tournée et montée. J'ai pu la montrer en avant-première à des amis et à ma famille qui m'ont dit qu'elle était super intéressante. Et de mon côté, j'ai adoré la faire. Et aujourd'hui, c'est exactement le genre de ressenti que je peux avoir. Vous verrez probablement sur cette chaîne dans les mois ou dans les années à venir des spécimens comme le cerf, l'anaconda ou encore le requin-baleine. Je vous propose donc de vous abonner si jamais vous êtes intéressé pour voir ce genre de vidéos. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les éléphants au Sri Lanka, ils tuent entre 50 et 100 personnes par an, alors dans des conflits avec les humains. Et c'est vrai que des fois, je vois des espèces de petits chemins dans lesquels j'ai envie de m'engouffrer, mais pour être franc, j'ai pas envie de prendre trop de risques, parce que si les chemins sont trop petits et qu'ils déboulent comme ça en plein milieu, c'est pas ouf. Alors c'est un peu maladroit, mais l'idée est bien là. À ma connaissance, il y aurait 3 causes qui pourraient expliquer ces incidents. La première, c'est le rapport entre les agriculteurs et les éléphants. Même si c'est complètement différent, les éléphants ce serait un peu comme nos sangliers en France. Ils s'infiltreraient la nuit dans les champs pour aller chercher de la nourriture, ce qui détruirait une bonne partie des récoltes. Certains agriculteurs se relayeraient donc jour et nuit pour surveiller leurs plantations. Et même si j'en suis absolument pas certain, ça m'étonnerait pas que les cabanes qu'il y a juste à côté de moi servent de point d'observation pour les agriculteurs.
Il y aurait donc des conflits entre ces agriculteurs et ces pachydermes. La deuxième raison, c'est tout simplement les charges d'éléphants sur les véhicules ou encore sur les humains. Il ne serait pas rare au Sri Lanka que les éléphants chargent les scooters ou encore de petites voitures. Notamment la nuit tombée où les éléphants seraient un peu plus actifs. La troisième raison, on la verra un tout petit peu plus tard. Bref, continuons notre exploration. Ah là là, on est bien au Costa Rica. Merde, on est au Sri Lanka. On est bien au Sri Lanka quand même, hein. Comme ça, à chercher des petits animaux là, c'est parfait. Et au bout d'une heure, j'entends enfin des bruits de pas venant de la forêt. Par contre, je vais pas vous mentir, ce qui me fait un peu chier, c'est que je suis en scooter et c'est pas très écologique, c'est pas très bon pour la planète. Donc je vous avoue, si je trouve un petit éléphant et que je peux monter à dos d'éléphant pour rentrer chez moi, ce serait nickel. Voici la troisième raison qui peut aboutir à un conflit entre les éléphants et les hommes, c'est bien la maltraitance. Monter sur le dos d'un éléphant, c'est de la torture pure et simple. Pour ce faire, et pour qu'ils deviennent dociles, les éléphantaux seraient arrachés à leur mère dès la naissance. Ils sont ensuite enchaînés, privés d'eau et de nourriture, mais également violentés. Ceux qui survivent à cette merde, c'est-à-dire seulement 50%, peuvent alors développer des comportements agressifs. Ce qui les rend inutilisables aux yeux de leurs propriétaires. Vous devinez donc la suite. Cette agressivité qui est née de la violence humaine peut donc se retourner contre ses détracteurs. Donc s'il vous plaît... Oh putain, ça fait pleurer. Ah, ça me fait chialer. Donc s'il vous plaît, arrêtez de participer à cette violence et ne montez jamais sur le dos d'un éléphant. Bon, je crois que là, je vais vraiment pas tarder à arrêter, tout simplement parce que le soleil, il est en train de se coucher. Donc je pense qu'on va rentrer tranquillement à l'hôtel et on se retrouve demain matin. Le lendemain matin, je suis donc reparti au lever du soleil pour une nouvelle matinée d'exploration. Et je n'ai absolument rien vu pendant 3 heures. J'en ai alors profité pour aller au bord d'un lac d'où on peut voir le Pidurangala Rock et le Sigiriya Rock. Puis je suis retourné tranquillement à mon hôtel. J'ai ensuite tenté d'y aller sur les coups de 16h, mais malheureusement il a plu toute l'après-midi. On se retrouve donc le dimanche matin, seulement un jour avant que je quitte Sigiriya. Je suis donc reparti à 6h du matin, j'ai changé tous mes plans et je suis parti du côté de Mineria. Cette ville abriterait tout simplement un parc national qui serait habité par plusieurs centaines d'éléphants. Sauf que du samedi 2 octobre au lundi 4 octobre, un couvre-feu a été instauré dans tout le Sri Lanka pour éviter les manifestations dues à la grande crise économique. Il n'y avait donc personne sur les routes. Et là, après seulement 30 minutes d'exploration... Oh, regardez-le comme il est magnifique. Mon Dieu. Oh, il est magnifique, regardez, il est juste là. Oh. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Oh, c'est un éléphant sauvage. On s'est observé pendant près d'une minute avant qu'il ne reparte tranquillement vers la forêt. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avançais tout doucement avec mon scooter et là, d'un coup, j'ai vu une espèce d'immense masse noire qui est sortie des plantes juste à ma gauche. Et forcément, je me suis douté que c'était un éléphant. Autant vous dire qu'après 3 jours de recherche intensive, j'étais ultra heureux. Putain, mais comme quoi c'est un signe? Parce qu'en fait, genre 2 minutes avant de le voir, je me disais, en fait, c'est comme toute observation animalière, tu t'attends pas spécialement à voir quelque chose, c'est aussi le plaisir du truc, parce que tu te dis, si tu vois des choses à chaque fois, ça sert à rien, tu vois. Et là, ça faisait 3 fois que je sortais. Et franchement, j'étais content de rien voir, parce que tu dis, bah si tout le monde les voit, c'est nul, tu vois.
Et 2 minutes plus tard, je vois ça. Donc franchement, je suis vachement reconnaissant. Mais il était magnifique. Et le pire, c'est que bah, déjà, de 1, il a pas chargé. Et de 2, en fait, j'ai pu l'admirer pendant au moins 1 minute, 1 minute 30. Donc c'est trop bien. Je décide donc de continuer ma route. Et là, même pas 5 minutes après. Putain, il y en a un autre là. Regardez. Non mais je viens encore d'en voir deux là. Alors je crois que c'était une femelle avec son petit, mais je suis pas sûr. Mais trop bien cette route. Putain, par contre celui que je viens juste de voir, je sais qu'il est juste derrière, je viens de le voir ressortir vite fait. Je viens de voir sa tête ressortir, mais je pense que je vais pas y aller parce que je vais essayer de pas le déranger, parce que là honnêtement ça fait déjà 2 fois que j'en vois. Donc je sais qu'il est juste derrière, il bouge pas. On verra rien à la caméra donc je vais pas vous montrer. Mais je vais les laisser tranquilles parce que bah déjà voilà, j'ai pas envie de les stresser. Et j'en ai déjà vu 3 déjà ce matin en l'espace de quoi, de 1 quart d'heure, donc on va laisser tranquille. Après cette double rencontre magnifique, je me suis donc dirigé vers le lac de Mineria. Puis j'ai fait le chemin inverse jusqu'à mon hôtel en allant le plus doucement possible pour tenter d'en observer de nouveau. En vain. Mais vous savez quoi, j'ai déjà pris énormément de plaisir avec cette observation et cette exploration, donc c'est pas grave. Déjà, j'espère que la vidéo vous a plu parce que pour moi, ça a été un plaisir de la préparer et de la tourner. Finalement, on aura réussi notre mission de trouver des éléphants sauvages, donc on peut repartir avec le sourire. Et promis, pour la suite, je ferai mon maximum pour vous rapporter toujours plus de belles images. Donc restez connectés parce que dans 3 semaines, je vais publier ma vidéo sur le Sinaraja et c'est clairement ma vidéo la plus aboutie. Ça va. Venom, like cobra venom, but they are attacked to me near to the brain, 1600, but I am still survive. Je vous fais donc de gros bisous, passez une bonne journée ou une belle soirée, on se retrouve la semaine prochaine, ciao.